Et bien salut tout le monde, c'est Zafra. Aujourd'hui les gars, je suis dans une vidéo et aujourd'hui les gars, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale. Et aujourd'hui les gars, je vais vous présenter un truc exceptionnel que je fais en ce moment les gars. Il s'agit d'une map de matchmaking. Donc je pense que vous connaissez tous les maps, les matchmaking. Matchmaking, c'est ça que vous lancez là en ce moment. C'est ça là, entrer dans le matchmaking, tu vois. C'est tout des trucs comme ça, il y en a plein là-bas, il y a plein de variétés et tout. Et moi j'ai créé le mien avec toutes mes maps que seul moi j'ai fait. Et du coup voilà le code les gars, il est là, n'hésitez pas à le noter si vous voulez avoir toutes les maps que j'ai faites. Toutes les maps que j'ai pu faire, elles sont dedans les gars, donc n'hésitez pas. Donc voilà, 50, 96, 76, 89, 94, 17, voilà la map, vous pouvez la mettre là-haut. Et moi j'ai la flemme de la mettre là-haut, donc je rentrerai dans mon île. Hein. Donc là les gars, c'est mon petit compte, c'est pour ça que j'ai ce skin sapin. Donc là quand vous rentrez, truc important à faire les gars, c'est lancer le jeu. Très important, sinon il va rien se passer du tout. Donc une fois que vous êtes dans le jeu, je vais désactiver les builds. Une fois que vous êtes dans le jeu les gars, je vais c'est... elle est pas encore finie la map. Genre elle est bientôt finie tu vois, mais elle est en cours tu vois. Donc là-bas il y aura un grand texte écrit les edits, donc les maps edits. Donc ici il y a tous les maps edits. Ici il y a tous les maps entraînement. Ici il y aura des maps genre guerre de zone, cache-cache, etc. Et ça je sais pas encore, faut voir en vrai. Ce sera un petit coin tranquille. Donc let's go les gars, on y va. Donc il y a même des cabines pour changer. Voilà, les cabines, changer de tenue. Donc là, on commence par... ici, il y a une guerre de zone. Donc voilà, une petite moving zone. Donc franchement, elle est stylée. Je l'ai faite avec avec Riven, sa chaîne dans la description. D'ailleurs, faudra que je change son logo. Et donc voilà, sa chaîne dans la description, les gars. Ensuite, ici, il y a les maps entraînement. Donc là, il y a box. Là, tu vois, l'image, elle pue un peu sa tente, tu vois. Je l'ai changée, hein. Elle va se changer. Et donc en gros c'est des box, genre t'es dans une box tu vois, comme ça là, t'es boxé. Et ton pote il doit te reprendre la box si tu... Voilà, c'est un genre de fight comme ça bizarre. Et ça vous entraîne pas mal. Ensuite il y a le solo build, la map que j'utilise tout le temps les gars. J'allume Fortnite, j'invite même pas une personne, je lance la map solo build. Tout le temps, je fais que ça. Donc voilà, c'est juste une map solo build, vous avez 0 de ping, donc elle est pas mal. Et une map shoot training, donc c'est une map pour le shoot à faire en 2v2 ou en 3v3 ou je sais pas. Et à faire à plusieurs parce que tout seul c'est impossible. Donc voilà, conseil à faire à plusieurs. Les cabines encore, la petite déco. Ça aussi c'est de la déco, vous voyez. Et là on passe au map edit les gars. Donc en map edit, il y a la loads edit numéro 5 que personne n'a pu essayer parce que je l'ai faite il y a pas longtemps. La photo aussi elle va se changer, ne t'inquiète pas. Ici, il y a la loads edit normale, la toute première map que j'ai faite. Bah non, c'est pas la toute première, c'est la deuxième. Mais c'est la première loads edit, tu vois. La toute première, par contre, c'est elle, la mods edit, qui est stylée aussi, je pense. On va lancer celle-là. Celle date et elle est stylée, franchement. Je l'avais fait aussi avec Riven, sa chaîne en description. Ensuite, il y a la loads edit numéro 3, qu'elle est déjà sortie. Elle a fait 700 vues, donc pas beaucoup de vous la connaissent. Donc voilà, ça fait pas de mal à aller essayer. Et la loads edit aussi, je vais pas te dire, je l'ai fait avec Rafou. Sa chaîne, je sais plus s'il a une chaîne, ça date lui, donc je sais pas trop. Et là, la plus populaire, les gars, la loads edit numéro 2, c'est la map la plus faite de toutes mes maps, de toutes les maps qui existent. C'est elle la plus utilisée, tu vois. Genre, tous ceux que je connais, ils se traînent là-dessus, franchement. Elle est pas mal. Donc, voilà, tous ceux que je connais, ils se traînent là-dessus. Et pour ma part, on va lancer la mods edit. Parce que la mode edit ça date et quand je vois la déco là, franchement ça me donne envie, tu vois. Voilà, entrée, le matchmaking qui va bien se lancer. Et let's go. Ah oui, les gars, j'ai aussi oublié de vous dire, je suis en partenariat avec trois nouvelles marques, les gars. Trois nouvelles marques. Les trois liens sont dans la description, donc je vais vous expliquer une par une. La première, c'est Fragcass. Fragcass, c'est quoi? C'est un site où vous pouvez commander des coques et les personnaliser à vous-même. Donc voilà, c'est un site avec plusieurs coques. Pour moi, franchement, il y a plus de choix là-dessus que sur InnoShield. Après, c'est comme vous voulez. Et si vous entrez mon code promo LOZAFRA, quand vous achetez un article là-bas, vous aurez moins 10% de réduction, les gars. Donc, n'hésitez pas, franchement. Moins 10%, voilà, ça se perd pas, tu vois. Voilà, c'est gratuit. Hein. Ensuite, les gars, la deuxième marque, c'est Roxor Gaming. Roxor Gaming, les gars, c'est quoi? C'est un site internet pour tous ceux qui possèdent une team e-sport, tu vois. C'est un site internet spécial pour eux et vous pouvez créer des trucs de dingue là-dessus, vraiment. Et ils sont aussi eux-mêmes en partenariat avec Fragcass. Et aussi, le tout dernier, les gars, c'est Rogue Energy. Rogue Energy, c'est un site où ils vendent toutes sortes de boissons énergisantes, de poudres énergisantes, tu vois. Tous des trucs comme ça.
Et pareil, si vous entrez mon code promo LOSAFRA, les gars, vous aurez moins 10% aussi de réduction. Et donc genre sur un article de 30 euros par exemple, vous aurez moins 2 euros ou un bail comme ça, tu vois. Franchement, je dis ça au hasard, mais voilà. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à faire un petit tour dans la description. Tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas le code promo les gars, LOSAFRA, L-O-Z-A-F-R-A, tout en majuscule, et vous aurez moins 10%. Donc du coup, let's go les gars, on va faire la mode edit. Donc là, 10 euros clavier souris, 10 euros manette. Alors c'est la toute première map les gars, merde ça se casse. Ok bon, c'est pas grave. Bienvenue dans notre map edit qui se compose de 11 étapes, c'est complètement faux, il y en a 12. On avait fait de la merde là-dessus. Hashtag mode edit C pour les claviers souris, mode edit M pour les manettes. Donc la map elle est passée les gars, il n'y a plus de cash prize hein. Oubliez le cash prize, il n'y en a plus, mais maintenant c'est pour vous train. La déco, est-ce qu'on en parle de cette déco? Elle est pas mal franchement. Pour à l'époque, elle était pas mal. Maintenant, ouais, c'est clair qu'il y a des trucs beaucoup plus beaux, tu vois, mais franchement, comparé à avant, c'est pas mal. Là, tu vois, ouais, c'est stylé. Petite fenêtre et tout. Ici, en fait, c'est un peu thème une banque braquée, tu vois. Ici, c'est un peu vide, j'avoue. Et là, tu vois, hop, vous prenez les boosts, on va les prendre aussi. Donc là, je sais pas ce que c'est une cheminée ou un hall d'entrée. Let's go les gars, on prend les boosts. Voilà, on est arrivé. Donc les gars, en gros, je vous explique. Nous, on va le faire là-dessus, vas-y. Let's go les gars. Ok, basique. Ok, carré. Ok, triple edit, je savais pas. On m'a pas mis au courant. Même si c'est moi qui l'ai créé, on m'a pas mis au courant les gars. Ça, par contre, je m'en souviens. Faut juste réinitialiser l'escalier, pas le sol. Merde. Hop, la petite descente. Ici, il faut juste mettre un sol. Ça, c'est aise. J'ai failli me... Ouais. Ici, la petite descente. Voilà, je sais pas pourquoi je vais faire un bail bizarre, en fait. Ici, les gars, voilà. Une petite édite comme ça, c'est carré. Ensuite, les gars, il y a les 90. Là, on devait arriver là. Merde. Ouah, j'ai failli tomber comme une merde. Ensuite, il y a ça, les gars. Plutôt simple aussi, ça va. Franchement, la map, elle était pas très dure. Hein. La géante faille. Hop, ça vous fait atterrir là. Hop. Ici, on doit faire l'inverse. Merde. Hop, là aussi. Et voilà, on tombe sur le chrono. 8.37, les gars. 8.37, c'est pas mal, quoi. Ok, donc, les gars, on se re-retrouve dans le matchmaking hub. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez qu'on teste? Les map edits, je pense, c'est bon. On a fait des map edits, je crois. Qu'est-ce que vous voulez qu'on teste, après? Ah, box, les gars. Ça... Box, personne d'entre vous sait ce que c'est. Mais c'est franchement très intéressant, les gars. C'est franchement trop bien. Par contre, je serai solo, donc ça va être un petit peu chiant, tu vois. Mais genre un tout petit peu. Mais franchement, les gars, c'est bien, box. Ça vous entraîne pas mal. Ok les gars, let's go, la map est lancée. Donc comme vous pouvez le voir, vous spawnez avec un space 12 et une PM. Donc c'est faux, elle est pas grise. Ouais, elle est pas grise du tout. Donc vous spawnez avec ça. Les failles par contre sont invisibles, mais vous voyez bien les flèches. Et hop, vous passez là. Donc voilà, vous avez une pièce. Il y a 4 pièces au total. Donc vous devez vous box et votre pote doit reprendre votre wall. Par exemple, vous voyez, votre pote il est là. Attendez, on va attendre que le but se met à fond. Ouais, c'est bon, on peut frapper. Donc voilà, vous attendez que votre pote il est là. Et votre pote il doit vous prendre la box. Et vous devez pas sortir de la box. Et vous pouvez mettre des balles à votre pote, tu vois. Après, vous faites les règles que vous voulez, tu vois. Ouais, je tryhard alors qu'il y a personne, ouais. Ouais, sinon vous pouvez faire ce que vous voulez, les gars. Et voilà, ça fait plaisir. Ouais, carrément. Du coup, les gars, oubliez pas le code créateur LOSAFRA, c'est important. Là, s'il marche pas, c'est normal, il est désactivé pendant un petit moment. Parce que normalement, j'ai bien dit, je vais recevoir 11 000 de luck. Donc voilà, j'y crois, tu vois, j'y crois, mais un petit peu. Ouais, j'y crois. Ouais. Et du coup, voilà, les gars. Si j'ai 11 000 V-Buck, il y aura des cadeaux parmi les abonnés. Il n'y a pas de problème. 11 000 V-Bucks, c'est quand même pas loin de 100 euros. Alors, ouais, franchement, il y aura des cadeaux.
Et du coup voilà les gars, j'ai surtout fait cette vidéo pour vous montrer le match Metal Hub et les partenariats que j'ai fait. Voilà les marques les gars, ils sont dans la description. Et voilà les gars, abonnez-vous surtout, c'est très important. On vise les 1200, hein, pourquoi pas les 1200. Et puis voilà les gars, c'était le Zafra. Good night, ouais, je sais quoi ça. Ok, il y a des tags. Ok, pourquoi pas. Donc voilà les gars, c'était le Zafra. Bye, les gens.